comme partenaire d'ASO depuis 12 ans, mais sur le Tour de France cycliste, c'est la première année. Là, on est sur le partenariat du classement par équipe, et aujourd'hui, c'est un contre-la-montre par équipe, donc ça prend toute sa signification aujourd'hui. C'est une première. Ce sont toutes les valeurs en fait, qui concernent la filière au sein du Tour de France. Lorsqu'on avait lancé en 2015 le concept de la banane française, on s'était dit qu'il fallait qu'on s'associe à un événement sportif, mais avec le mot France. C'est très important parce que ça raccroche ce produit français, cette filière française avec 600 producteurs, 6000 salariés, plus de 10 000 emplois en tout aux Antilles. On est le premier employeur privé. Ça raccroche vraiment à une filière de production agricole française et on a envie de le faire savoir au plus grand nombre. On a eu un cyclone au mois de septembre et pour nous, on revient en production depuis fin avril. Et donc c'est l'occasion de montrer que nous sommes là. Et nous sommes toujours là et avec l'envie de toujours proposer notre produit aux consommateurs français. Et on veut, à travers ses fans et à travers le public qui est tout le long de la route du Tour de France, montrer que la banane est là sur un événement majeur. Le classement par équipe parrainé par la banane de Guadeloupe et de Martinique. Mais se ressemble vraiment pas. On découvre tous les jours quelque chose et c'est immense quoi, c'est géant, c'est grandiose. Quand on circule en voiture et qu'on peut être dans la voiture avant course, on se rend compte à quel point les gens attendent le Tour. L'accueil qu'il y a pour le Tour de France dans chacune des villes, c'est impressionnant. Petits et grands, ils sont au rendez-vous, ils attendent. C'est fabuleux, on se sent très star quand on est dans le Tour de France. Voilà. Vainqueur du Tour de France 2018, Geraint Thomas. La meilleure équipe de ce Tour de France 2018, Movistar. Avec les félicitations de Philippe Ruel, directeur général de la banane de Guadeloupe et de Martinique.